Et yo tout le monde, c'est Gonzo, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Rocket League. Donc ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là, hein. Ça fait déjà 3 mois, même plus encore. Donc on va jouer. Aujourd'hui on va faire un petit standard, donc 3v3. Je vous dis tout de suite, je suis nul, hein. Donc ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué en fait. Voilà 2 semaines, moi et Norens, on a recommencé à jouer à Rocket League. En classé, et au début c'était pas si mal, hein, parce que voilà, lui il avait continué à jouer pendant que moi je jouais pas, mais il avait continué à jouer, moi j'avais pas du tout joué, tu comprends? Donc en fait on jouait contre des gens qui avaient pas joué longtemps comme moi. Donc Noren c'était plus fort qu'eux, moi j'étais à peu près au même level, donc on les défonçait tous. Mais genre une semaine après, quand on était à ses levels en classé, ben là on s'est fait défoncer par les autres joueurs. Donc c'était vraiment génial. Donc si je suis nul aujourd'hui, c'est normal. C'est... voilà, en plus de ça, ça fait déjà une semaine ou deux de ça là, que j'ai rejoué avec Norenz. Donc c'est normal si je suis nul. Désolé aussi pour les petits lags, hein, c'est normal. C'est le petit... putain, mon ping était combien? Ah, 32. Ah non, c'est pas mon ping, hein, c'est les graphismes, je sais pas. j'ai lock les FPS à 60 pour pas que ça... Non, tu l'auras pas. Voilà. Je vais... Non. Ah putain, j'ai failli le scorer dans mon but. Bordel, je suis con. Ouais, c'est ça, j'ai locké les FPS à 60. Parce qu'en fait, si t'es lock pas, ben, les FPS passent de 60, 70, 80, 100, ils redescendent, 60. Quand les FPS boostent, on dirait, on a plus l'impression que ça lag que quand les FPS sont lock, en fait. Voilà. C'est pour ça. Pour rajouter une espèce de fluidité, voilà. Non, je les ai pas mis à 60, j'ai mis à 50. Putain, j'ai fait rentrer le ballon dans le... Oh, putain, là, on se calme, les amis, hein. Bordel. Donc, on va aller prendre le petit boost. Bordel. Attends, on joue contre quoi on... Ah, ouais. Ok, d'accord, donc, moi, je suis pro, mais... pour devenir pro, en fait, j'ai... Attends, non. Allez, dégage, je te démolis la face. D'accord. Attendez. Ça bouge trop pour moi là, moi je suis pas habitué à ça. D'habitude je fais tout le temps des duels 1v1, voilà, ou des duels genre 2v2. Moi et Norenz on faisait du classé 2v2, c'était assez nice, lui il était dans les buts, moi je faisais les... Bon, enfin un but. Moi je faisais le mec qui scorait dans les buts, donc, voilà, lui il était le gardien et voilà. C'était pas si mal, mais là je débarque en 3v3, donc là je sais pas quoi faire. Prends-le! Attends, il est dans mon équipe le mec? Ok, d'accord. Donc moi je suis pro, l'autre est semi-pro et l'autre débutant, donc c'est vraiment génial. Et l'autre équipe c'est des pros et des semi-pros. Voilà, donc c'est encore mieux pour nous défoncer. En plus que moi, non. Eh putain, attends, comment j'ai fait? Ah ouais, moi je trouve quand même que ce spot-là est assez nice. Donc toi, c'est quoi qu'il a essayé de faire le mec? Il a genre en fait, il a... Non, je vais faire un but! Putain! Le mec a passé genre à côté sur le mur là, je sais pas si vous avez vu. C'était tellement... Je ne jugerai pas parce que moi aussi je suis nul, mais voilà. Je ne jugerai pas. Putain. Mais comme cette fois-ci, hein, que j'ai failli le manquer. Allez, t'es où toi mon ami? Ah merde, je vais essayer de faire un truc comme ça, mais ça a pas marché. Non, eh putain. Ah, j'aurais pu l'arrêter en air, hein. Ça aurait été putain, ça aurait été nice ça. J'aurais adoré, mais non. j'ai pas le skill nécessaire, on va dire. Allez! Oh putain! Le mec qui fonce de ouf sur le ballon pour l'arrêter, genre il manque. Comme ce que le mec a essayé de faire. Le mec est arrivé, il a passé juste en dessous du ballon avant qu'il arrive. Heureusement son coéquipier était là. Moi je vais aller prendre un petit boost et je vais rester dans les buts. Espérant que... qu'est-ce que vous avez essayé de faire, hein? Ah ouais! C'est génial! Putain. Ok. C'est n'importe quoi cette partie, hein. Les mecs doivent tellement trouver que... Ah putain, allez arrête-moi ça. Oui, merci, bravo. GG. GG. 80 de score. Oh là là, c'est ouf. je suis tellement le mec qui a un handicap pour l'équipe, là, ça a aucun bon sens. Ok, allez, je te botte ça. Bon. Allez, plus de sérieux. Le mec qui est pas capable de prendre plus. Ok, non. Eh non. Ouais, le mec m'a bloqué le passage en fait, c'est pour ça. What the fuck, c'était quoi ça? C'était n'importe quoi, genre on saute tous sur le ballon en même temps. Ah merde. Non mais putain, pourquoi? Attends, il y a un mec là de notre équipe. Ils sont là? Ok, d'accord. Regarde ça, il va le rentrer, je suis sûr. Bon, égalité, putain. Oh putain, nice tellement, regarde ça, il y a genre des putains de guns qui...
des fusils qui tirent quand tu scores, hein. Je vais essayer de vous montrer là. Regardez, on le voit. Ah merde. C'est dur à montrer avec la caméra quand. La caméra comme ça. Donc attends. Foncer sur le ballon, désolé. Bon, ça a fait de la merde, je suis désolé. il est où le ballon? Voilà, il est là le ballon. Attendez, attention. Et je sais pas ce que j'ai essayé de faire, mais c'était de la merde en tout cas. Bordel, moi j'aime mieux le rumba. Ah ouais, c'est vrai, j'aurais dû faire un rumba. Hein. Le rumba c'est 3v3 aussi. Ah putain, le rumba c'est trop nice, j'adore. Je sais pas si vous avez déjà essayé. En fait, c'est comme ça, sauf que c'est genre Mario Kart. Hein. Ben, Mario Kart entre guillemets, parce qu'en fait, tu as à tous les 10 secondes, tu as un nouveau super pouvoir. Exemple, le pouvoir c'est un grappin, donc le ballon, tu l'attrapes. Un pouvoir que ça donne un coup de poing dans le ballon. Par exemple là, j'aurais pu le donner un coup de poing, mais là j'étais trop loin. Mais si j'aurais eu, j'aurais pu le donner, et là ça aurait fait un boost. Le ballon aurait pu rentrer dans le but, voilà, tout simplement. Attends, non, tu fais pas ça, oui, non, voilà, je sais pas c'est quoi ça. Tiens, putain, le mec qui me botte, c'est pas gentil ça. J'espère juste que la prolongation sera pas trop longue, parce que là, on va me faire chier ça. J'ai eu les prolongations. Et, je sais pas ce que j'ai essayé de faire. Je sais pas du tout. Donc le rumble, voilà, c'est ça. T'as vraiment plein de super pouvoirs. T'en as un qui fait glacer le ballon, donc en fait il fige. T'as quoi déjà? Oh, excusez. T'as un truc qui peut échanger ta place avec un autre joueur. Ouais, il va avoir une prolongation, c'est... Voilà, ça c'est sûr. On va attendre que le ballon frappe le sol. Voilà, c'est génial. J'espère juste qu'il sera pas trop long. Allez, bottez-moi ça. Ah non, ça sera pas long. Ça c'est vraiment chiant. Hein. Quand tu startes une game et qu'il y a un mec... ouais, un mec qui dit nice, bravo. Tu sais, le ballon, tu sais vraiment pas comment il fait là, mais il va direct dans ton but. Ça c'est vraiment chiant, ça, je pense ça. Je fais ça un spawn but. Un spawn game. Là, les mecs sont trop heureux, le mec avec son chapeau de Mexicano, sa voiture et l'autre... non, d'accord. On va quitter la partie, voilà, on va jouer rien qu'une game par partie, je trouve que c'est juste assez bon, le bon format. Parce que deux games ça commence à être long, genre 20 minutes, une game 10 minutes c'est à peu près bon, voilà. C'est un bon format. C'est quoi ça, 300 000 $ pour grave, ah ouais putain... d'accord. Total Prize, ah ouais, on peut gagner un prix de 300 000 $ pour... ah c'est génial ça, hein. Ah ben j'aimerais ça faire le concours, mais en fait je crois pas que j'ai assez bon. J'ai fait 0 but, j'ai même pas vu mon point, que j'ai nombre de points que j'ai vu dans cette vidéo, dans la partie, en tout cas bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous, commentez la vidéo aussi pour savoir si vous êtes bon dans Rocket League. Et si vous avez Rocket League, peu importe la console, parce que j'ai cross-platform, ben... Dites-le moi en commentaire si vous voulez, on pourrait faire une vidéo ensemble, ce serait vraiment génial. Avec moi et Norenz, donc un 3v3. Moi, Norenz et vous contre une autre personne, je sais pas, donc je lance l'invitation comme ça. Dites-le dans les commentaires. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit, donc on se revoit dans une prochaine vidéo, donc à plus.